C'est une affiche qui pourrait ressembler à une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de NCI Sport pour le choc du groupe C. Pour ce match Sénégal-Cameroun, eh bien nous avons mis les petits plats dans les grands. Mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, j'ai avec moi en plateau M. Baki Koné. Oui, ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. Nous avons également la présence de Djibril Cissé. Et pour clore, oui, ce trio infernal, eh bien, nous avons notre DD national, Didier Drogba. Difficile hein, d'en placer une aujourd'hui, je crois, mais c'est pas grave. Hein, c'est ça l'ambiance de la canne de l'hospitalité. Alors, ben, messieurs, merci en tout cas d'être sur le plateau de NCI Sport Live. On est super contents de vous avoir. Didier, ça va? Remis de vos émotions? On se remet difficilement de cette défaite d'hier, mais voilà, l'espoir est encore permis, le rêve est encore permis. On a encore l'occasion de faire un beau match lundi et de nous qualifier. Et on y croit, hein, n'est-ce pas, Djibril? Bien sûr, la qualif est encore jouable et pour moi ça va se passer lundi. Faudra gérer la pression, faudra gérer la fatigue, mais je pense que ça va bien se passer. D'accord. Alors Baki, vous avez vu, c'est une grosse affiche là qui nous attend et d'ailleurs on va regarder tout de suite les premières images du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro avec les deux équipes hein, qui sont en train de s'échauffer. Le Sénégal emmené par un Sadio Mané qui, on l'espère, hein, va créer de belles choses. Baki, comment est-ce que vous avez trouvé le Sénégal lors du premier match? Très bien, c'est une équipe qui arrive avec des certitudes. Je l'avais dit, c'est une équipe bien en place qui fait un mix avec de jeunes joueurs très talentueux qui arrivent aussi. Et c'est pour moi, je ne dirais pas parmi les favoris, mais c'est le favori de ce tournoi, de cette compétition. Donc on attend vraiment beaucoup de cette équipe avec tous ces joueurs de qualité. On verra bien face à cette équipe camerounaise, mais bon, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va se réveiller, cette équipe camerounaise. Alors Didier, est-ce que cette équipe du Sénégal sera facile à jouer? Cette équipe du Sénégal n'est jamais facile à jouer, d'autant plus qu'ils sont tenants du titre. Ils arrivent avec beaucoup de certitude. Le premier match leur a permis justement de montrer au continent que ce sont eux les champions en titre. Donc ils arrivent avec beaucoup d'assurance et ils ont la chance d'avoir le 11 de départ, voire un peu plus de joueurs, qui sont quasiment titulaires dans leur club respectif. Donc ça aide vraiment au niveau de la confiance et avoir un coach aussi serein que Kalou Cissé, ça contribue aussi au résultat. Ça aide beaucoup. Alors Djibril, on sait que le Cameroun donc, a fait 1-1 hein, au premier match face à la Guinée. Est-ce que c'est un Cameroun qui vous a convaincu? Non. Qui a eu une réaction d'orgueil et qui a réussi à égaliser, pousser un peu sur la fin pour essayer de gagner ce match. Mais je ne dirais pas convaincu, vu que voilà, on peut pas être satisfait d'un match nul. Mais en tout cas, une équipe qui a essayé, qui a un caractère et un état d'esprit de battant. Donc ils ont été fidèles à leurs habitudes, ils se sont joués au courage. Mais des fois, le courage, il faut un petit peu de talent et de folie aussi. Et c'est ce qui a manqué sur ce premier match. Alors, question pour tous les trois. Hein. Vous pensez que la première place de ce groupe se joue sur 7 rencontres? Baki, Didier, Djibril. Oui, je pense qu'elle se joue sur cette rencontre pour le Sénégal, puisque s'ils remportent ce match, ils auront 6 points. Donc, ils auront creusé l'écart avec leur concurrent direct de la journée précédente et avec leur concurrent direct d'aujourd'hui. Mm-hmm. Djibril. Oui, je pense aussi des deux côtés, en fait, parce que si le Cameroun gagne, ils ont 4 points. Il faut peut-être un match nul au dernier match pour être premier. Si le Sénégal l'emporte, ben c'est quasiment fait. Donc, c'est un match de premier de poule. Mm-hmm. Ouais, beaucoup plus pour le Sénégal, je suis d'accord avec Didier, beaucoup plus pour le Sénégal.
un peu moins pour le Cameroun. C'est juste pour pouvoir se replacer dans le classement. Ben, même si le Sénégal part largement en devant, en tout cas. Pour vous ? Mm-hmm. Oui. Bon, eh bien, on verra ça. Alors, on va marquer une toute petite pause. Et puis après, on va s'intéresser hein, au compo des deux équipes, le Sénégal et le Cameroun. Eh bien, ce sera dans quelques instants. Restez branchés. Et ce choc du groupe C ouais, se tiendra dans quelques instants hein, au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Vous voyez les images en direct. Magnifique pelouse, les équipes eh ben, s'échauffent encore, pas que les équipes, hein, les arbitres, le corps arbitral également, pour cette grosse rencontre. Et vous savez hein, que dans cette fosse au Lion, il n'y a pas de place hein, pour deux rois, n'est-ce pas? Et que cette course au sommet ben, sera intrépide. Alors, messieurs, on va regarder un petit peu les compositions maintenant, en commençant pardon, par celle du Sénégal. Voilà. La composition d'équipe du Sénégal. Alors, derrière, donc, dans les cages, on a Mendy, bien évidemment. En défense, Diatta, Koulibaly, Diallo et Jacobs. Au milieu de terrain, avec Camara, Sarr et Gay. Et puis devant, un trio offensif, hein, Sarr, Diallo, Mané. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez bah, du 11 aligné hein, par Aliou Cissé, Didier Drogba? Je pense que c'est un 11 de départ classique. Je pense qu'il joue vraiment la sécurité avec ce 4-3-3. Avec trois milieux de terrain solides comme Gueye, Sarr et Camara, et la liberté offensive avec Sarr, Diallo et Sadio Mané, qui vont avoir la liberté offensive de pouvoir créer. Et ces milieux de terrain, je pense qu'il y en a un ou deux qui vont participer dans les phases offensives, mais ils vont surtout essayer de garder une grosse assise défensive parce qu'il faut garder cet écart entre le Cameroun et eux, je pense. Mm-hmm. Alors, Djibril, Didier le disait, hein, pas de gros changements. Donc, on comprend que Aliou Cissé n'a peut-être pas envie de prendre des risques. Vous pensez qu'il craint cette équipe du Cameroun? Oui, je pense qu'il la respecte, en tout cas. De là de dire craindre, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça prouve qu'il a une équipe type, qu'il a beaucoup réfléchi et qu'il a, voilà, il a fait ses choix. Et c'est une équipe... franchement, qui est pas loin dans le mélange 1, 2, 3, 3 favoris, voire 2. C'est une équipe très costaud défensivement, mais aussi qui va aller vite en contre. Et au premier match, on n'a pas vu un Sadio Mané aussi intincelant, et ils étaient déjà dangereux. Donc c'est à vraiment regarder. Alors justement, c'est ce genre d'équipe qu'il faut pour battre le Cameroun. Alors, quand vous avez une équipe physiquement prête, parce que qui a répondu lors du premier match physiquement qui était prête, et au niveau qualité technique, qui a imposé son jeu, qui a dominé durant tout le match, et après il y a eu quelques changements pour permettre aux joueurs de se reposer. Donc quand tu mets une équipe comme ça, même si tu respectes ton adversaire, tu arrives avec des certitudes, des joueurs qui ont la confiance, et en tant que tenant du titre, tu sais quoi faire pour pouvoir... faire face à de grandes nations de football. Alors, les yeux sont forcément rivés hein, vers Sadio Mané. Vous vous attendiez à quel Mané dans ce genre de rencontre, Didier? Je m'attends à un Mané sûr de lui, parce qu'il arrive capitaine auréolé de ce titre de champion d'Afrique, qui est très récent d'ailleurs. Et il a eu le temps de bien récupérer en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il joue, il y a une certaine intensité là-bas, mais ce n'est pas forcément la même intensité qu'un match comme celui qu'on va voir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, je pense, Djibril a dit qu'il n'a pas vu un Sadio Mané étincelant. Je pense que c'est quelqu'un qui va rentrer tout doucement dans la compétition et qui se met beaucoup au service du collectif. Je pense que c'est ça sa force. Mm-hmm. Vous êtes d'accord, Djibril? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où le Sénégal est encore plus impressionnant. C'est que leur joueur majeur n'a pas été vraiment intincelant. Donc il était sur une passe décisive. Il a joué voilà, beaucoup, il a défendu, il a couru beaucoup. C'était vraiment un joueur au service du collectif. Mais il n'a pas été, c'est pas le Sadio Mané que j'ai connu à Liverpool. Donc il y a encore, ça veut dire que cette équipe a une marge de progression énorme encore. Alors, Baki, je voudrais qu'on parle de Lamine Camara.
Mm-hmm. Lamine Camara, qui n'a que 20 ans, hein, qui a déjà remporté le CHAN et la CAN U20. Actuellement, c'est lui qui fait les beaux jours, hein, de cette équipe du Sénégal. Est-ce qu'il peut porter les espoirs des Guindés? Dico Zan, bien né la valeur n'a pas point le nombre d'années. Mm-hmm. Il arrive avec énormément de qualités. Il a sa personnalité. Et tout de suite, il est mis d'entrée, il est titulaire. Et il montre à tout le monde tout ce qu'on attendait de lui, parce qu'il a été l'un des meilleurs joueurs des tournois de jeunes. Donc, quand tu as un jeune comme ça et que tu lui donnes sa chance, et qu'en plus, le premier match, il arrive à marquer, vous pouvez même pas imaginer le bien que ça fait pour la nouvelle génération qui arrive. Parce qu'il faut dire aussi que les Sénégalais préparent aussi l'avenir. Absolument. Ils sont en train de préparer une nouvelle génération et ils donnent la possibilité et ça donne aussi beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation à tous ces jeunes-là qui sont en train de se préparer pour intégrer l'équipe nationale. Et ça, ça fait plaisir à voir. Et justement, l'insouciance, hein, qu'il dégage, est-ce que c'est ce dont on a besoin justement dans ce genre de rencontre? On parle d'insouciance pour Camara, mais ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance. Mm-hmm, Parce que les équipes nationales du Sénégal, même en jeunes, jouent de la même manière, dans le même système. Ils ont les mêmes principes de jeu que l'équipe première qui va jouer cet après-midi. Donc, quand un jeune comme ça qui a remporté la CHAN, qui a remporté le tournoi U20, se retrouve en A, il sait quoi faire. Donc, il a des certitudes. Donc, ça aide. Ça facilite beaucoup la tâche. Vous, si vous étiez sélectionneur du Sénégal, vous auriez fait confiance à ce jeune? Bien sûr, il y a un certain Kylian Mbappé qui disait « me parle pas d'âge ». Il a tout à fait raison. Il n'y a pas d'âge pour le talent. Le talent est là. Il a l'air assez mature. Il a l'air travailleur et il a l'air d'avoir envie de progresser. Donc, bien sûr, il a prouvé. Sur le premier match, il met un but. Le deuxième but, c'est un délice. C'est un geste relâché, pleine lucarne. Genre, on dirait qu'il avait 10 ans d'expérience. Et bien sûr, je lui donne sa confiance. Sans problème, je lui donne ma confiance. D'accord. Je dirais même que nous-mêmes, on a débuté à l'âge de 17-18 ans pour la plupart de notre génération. Donc, c'est tout à fait normal de voir un jeune comme ça évoluer, surtout quand il a de la qualité et qu'on lui donne sa chance. Allez, on va marquer une nouvelle pause et après, on va s'intéresser à cette équipe du Cameroun. Et oui, on a beaucoup de choses à dire sur eux. Allez, restez avec nous. Et on est toujours sur le plateau de NCI Sport Live avec les images, hein, qui nous arrivent tout droit et en direct du stade Charles Konambani de Yamoussoukro, avec l'entraînement, l'échauffement, hein, qui est en train de se terminer pour les deux équipes. On voit le Sénégal, voilà, qui est sur la pelouse. On a vu juste avant les supporters, hein, du Sénégal qui sont là, qui ont fait massivement le déplacement. Alors, on va pouvoir maintenant s'intéresser à cette équipe du Cameroun. Et avant de parler, hein, du Cameroun en tant que tel, moi j'ai un petit chiffre à vous donner. C'est vrai que lors des 15 confrontations, hein, toutes compétitions confondues, entre le Sénégal et le Cameroun, les Lions de la Teranga n'ont remporté que deux matchs. Ouais, deux matchs lors des 15 dernières confrontations. Est-ce que ce sont des chiffres... Offensif, c'était pas suffisamment riche. Donc, face à une équipe du Sénégal qui, elle, a montré beaucoup d'engagement, a montré beaucoup de dynamisme, beaucoup de mouvement dans l'animation, tant sur le plan défensif qu'offensif, eh ben, ils ont réussi à dompter les Lions. Ismaïla Sarr, l'homme du match, on va écouter sa réaction, hein, tout de suite. On va continuer à travailler. Félicitations à l'équipe, félicitations au coach aussi. Encore merci encore une fois pour cette trophée. Félicitations. Merci beaucoup. Djibril Cissé, le Sénégal sera finalement difficile à battre dans cette compétition? Ils sont venus en tant que champions d'Afrique. Ils ont ce statut-là, ils ont ce poids-là à assumer. Et ils le font très bien. Ils le font très bien parce qu'il y a une vraie progression par rapport au second match. Et il y a leur joueur clé, donc je parlais tout à l'heure, Sadio Mané, qui commence à vraiment sortir les dents. Et ça va être vraiment compliqué de toucher le Sénégal.
En tout cas, le Sénégal donc, s'est imposé 3-1 face au Cameroun. Le Sénégal est désormais qualifié hein, pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Et bien voilà, ça y est, c'est déjà fini. On va remercier Baki. Merci beaucoup, c'est Baki. Merci, Djibril. Merci, Didier. Merci. Et merci au public. Et ne bougez surtout pas, hein, puisqu'on va se retrouver dans quelques instants pour le troisième match de la journée. Guinée-Gambie, ce sera juste après la pub. À tout à l'heure.